table et un peu ici. Oui, c'est bien. Appuie bien sur le rouleau, il faut que la pâte soit très fine. Tu vois, elle est un peu trop épaisse ici. Allô, Marvache à l'appareil. Bonjour, Gulbahar. Comment ça va? Oui. Quoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu mens, c'est pas possible. C'est pas possible. Maman, viens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Viens avec moi. Regarde, il y a la lune qui nous accompagne. Maman, le fil est tout emmêlé. C'est pas grave. T'en fais pas, c'est rien. Ça peut arriver à tout le monde. Maman? Oui. Tu viens pas manger avec nous? Anouar, viens près de maman.
Tu es un homme maintenant. À partir d'aujourd'hui, on doit prendre soin les uns des autres, d'accord? Alors tu viens pas? Tu veux bien m'allumer la radio, s'il te plaît? Contre nous. Non, elle est pas fâchée contre nous. Elle a du chagrin. Tu te rappelles? Papa devait nous rejoindre. Oui. Est-ce que ça veut dire que maman est fâchée contre papa? Non. Pourquoi tu joues pas avec ta copine Élise? Je veux rester avec toi. Désolée chérie, je n'aurais pas dû. Sarah. 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 Tu sais, avant, papa et moi, on montait toujours sur le toit. Et on regardait les étoiles avant d'aller dormir. Papa, il connaissait le nom de toutes les étoiles. Regarde, celle-là, c'est la grande ours. Elle aide les gens quand ils sont en danger. Et celle-là, c'est la petite ours. Et la grande ours, elle prend soin de la petite ours. Regarde, c'est la lune! Quand tu es triste, tu peux le dire à la lune, elle te comprendra. Et elle te consolera. Lune, est-ce que tu nous vois? Bien sûr qu'elle nous voit. S'il te plaît, lune, viens plus près. Faut pas lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment trop loin. Moi, je veux... Non, je te dis que c'est impossible. Mais moi, je veux quand même! Tu m'entends, Lune?
plaît. S'il te plaît, ouvre-moi. Elle est encore plus belle que là-haut. Non, on les ouvre pas. Tu viens manger avec nous? Je vais rester encore un petit peu, allez. Tu crois vraiment que la lune mange? Oui. Tu aimes ça, lune? À cet après-midi. On peut pas l'emmener? Non, on peut pas. Allez, viens. La prochaine fois, on pourra l'emmener, hein? Elle est tellement gentille. On va la garder avec nous pour toujours. T'en as parlé à personne, hein? Non. Mais la maîtresse était très en colère. La maîtresse était bizarre aussi dans notre classe. Waouh. Elle n'éclaire presque plus. Elle est toute froide. Mets-la vite sous les couvertures. On t'a manqué, hein, Lune?
Elle va mourir si on la garde à la maison. Je vais chercher maman. Non! Lâche-la, Sahar. Non! Sahar, il faut que tu la lâches. Non! J'ai fait une grosse bêtise. Comment ça se fait qu'il fasse encore jour? S'il te plaît, viens. Quoi? Viens avec moi, maman. Sahar? Où est passée ta sœur, Anwar? Sahar? 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 Où est-ce qu'elle est? J'en sais rien. Quoi? Non, j'en sais rien. Alors? Je vais par là et toi tu vas par là. D'accord. Elle est en train de mourir. On rentre. Il faut la laisser partir. Un, deux, trois. Regarde. Comment elle va? Regardez, elle recommence à briller. On dirait que ça lui plaît que Sahar lui chante une chanson. Alors continue, Sahar. Tu dois le dire à Sahar, il faut qu'elle soit au courant. Ma chandelle est morte. Tu le sais, toi, pour ton père? Ouvre-moi ta porte pour l'amour. Je sais pas. Je sais pas comment lui dire. Tu vas trouver. T'inquiète pas, maman. Thank you.
Ma petite chérie. Ma toute petite fille. Mon petit ours. Non, ma grande oursonne. Tu te souviens que je te disais toujours que papa allait arriver? Et qu'on allait être très heureux. Parce que papa nous manque tellement. Mais j'ai reçu cette semaine, malheureusement, un appel de votre tante Gulbar. Elle avait une bien triste nouvelle à m'annoncer au sujet de papa. Tu comprends? Allons, ma belle lune, c'est l'heure de repartir. Retourne à ta place dans le ciel. Un, deux, trois, bon retour.